Après un bref séjour passé à Lubumbashi, le prophète promet qu'Anombo a regagné Kinshasa ce samedi à 1h35, accompagné de son musicien Félix Eleka. Il était allé répondre à l'invitation du jeune millionnaire Stan Mukendi et leur église CEG chez l'apôtre Emmanuel Mbillé. À peine arrivé, il a nourri le peuple des dieux de cette église par la prédication et des chansons glorieuses à l'honneur de l'Éternel. Oui, j'ai été invité par les jeunes millionnaires Stone Mukendi et leur église CEG chez l'apôtre Emmanuel Mbillé. C'était une mission de 2 jours seulement. J'y étais depuis le mercredi, je crois. Le mercredi, je suis arrivé directement, je suis allé à l'église, je suis passé à la chaire. Aujourd'hui, je suis descendu de la chaire à l'aéroport. Voilà. La mission nous avait appelé, la prédication et les chants. Il a ensuite rappelé la continuité du marathon des prières à Hosanna, son assemblée, qui prendra fin dimanche 8 janvier, et a annoncé avec force la célébration Yigwe prévue le 5 février au village Chetemba. Il y a des enfants qui vous appellent Yigwe, c'est grave. Yigwe a un vent nouveau. Célébration Yigwe. Oui, le 5 février 2023.